Eh bien, bonjour les amis. Je vous souhaite d'obtenir un super beau jardin cette année. C'est tout ce que je peux vous souhaiter par ce beau rayon de soleil qui donne enfin, nous donne envie de travailler un petit peu dans le jardin. Il fait à peu près 12 degrés. Là, c'est super agréable, hein. Je vous propose de semer des poireaux. Ici, ce sont des bleus de Solèze. Donc, c'est une variété bien connue et qui est super. Bon, je la multiplie moi-même en récupérant bien sûr les pompons. Alors vous voyez, c'est une belle graine bien noire, hein, et ça nous donne, j'espère que ça va nous donner de très très beaux poireaux, hein. Voilà, donc sachez que les poireaux, ça ne gèle pas. Et le meilleur mois pour les semer, c'est plutôt le mois de mars et le mois d'avril. Les anciens disaient, on sème les poireaux à la Saint-Joseph, c'est-à-dire il y a une semaine, hein. Bon, en réalité, mars-avril, fin avril, il est plus que temps, hein, de semer vos poireaux, hein. On va essayer de s'arranger d'avoir une terre très fine et avoir une graine toujours à faible profondeur, un peu comme les salades. Voilà, donc on va s'arranger à avoir une terre bien fine. Alors vous l'affinez bien sûr avec le groët. Vous voyez là, je fais une deuxième ligne. Et ensuite après, on va faire un tout petit sillon. Vous voyez, un tout petit sillon de 2 cm de profondeur environ pour dire de mettre nos graines à l'intérieur. Surtout d'avoir un beau repère. Ensuite, voilà la partie la plus délicate. La partie la plus délicate, c'est que vous devez impérativement mettre quelques graines dans votre sillon et les espacer le plus possible. Autrement, ça sera beaucoup trop dru. Et c'est là que c'est important d'y aller mollo, sachant il va falloir les repiquer. Ça sera pour le mois de juin, hein. Ensuite, vous récupérez bien sûr une bonne terre fine et sèche que vous allez pouvoir placer dessus. Voilà. Mais vraiment légèrement, hein. C'est un filet de terre, hein. Un filet de terre. Alors ça, c'est ce que m'a appris mon grand-père, là. Un simple filet de terre dessus. Et ensuite, après, on y fera un petit coup d'arrosage et notre ligne va être finie. Voilà, tout simplement. Bon, je pense que je suis arrivé là. Encore quelques-uns qui ne sont pas trop recouverts. Vous inquiétez pas, ça va germer tout seul, hein. Voilà, il n'y a plus qu'à arroser. Donc vous avez compris le principe. Ici on a fait des échalotes, des mi-corps, voilà. Superbes échalotes, toujours dans le haut de la butte. On fait une butte, l'échalote, c'est toujours dans le haut de la butte, hein. On incorpore un petit peu de potasse. Et là, nos poireaux. Alors nos poireaux, bien sûr, on avait préparé la terre avec un peu de compost et tout a été travaillé. Voilà, simplement. Et on n'a plus qu'à continuer notre vie. Je vous dis à bientôt et courage à tous et un beau jardin à tous.